suite à la sortie dans nos Jaguars, où il est venu demander pardon à beaucoup de personnes. Voilà. Moi-même, j'ai rien compris. Il y a d'autres aussi qui n'ont rien compris. Voilà. Donc, moi, information qui est reçue de lui. Information qui est reçue, je vais venir partager ça avec vous tranquille. Voilà, sans prise de tête. Voilà, donc, soyez tous prêts. On va causer tranquille. Voilà. Avant de commencer, bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Voilà, bon vendredi à tout le monde. Esprit d'Aïchi toujours. Esprit d'Aïchi toujours. Vous êtes au Voilà. courant, il n'y a jamais de Avant de trahison en commencer, Chine. bon week-end à tout le monde. Voilà. Bon week-end à tous. On a toujours dit, il n'y a jamais de trahison en Chine. Il n'y aura jamais de trahison en Chine. Vous connaissez. Car c'est Bouyou, c'est Paya. J'espère que vous allez bien. Voilà. Salut Ashley. Ça va, vous allez bien? Voilà. Appelez les autres. Appelez les autres. On va venir éclaircir un peu certaines choses là. Voilà. Parce qu'on dit. À nos Jaguars a demandé pardon à Judas pour ce qu'il a fait à Judas. On dit à nos Jaguars a demandé pardon à Moula. On dit à nos Jaguars a demandé pardon à Safarel. On dit à nos Jaguars a demandé. Bon, il a demandé pardon à plusieurs personnes. À Liloko, Divan Trésor. Voilà. Ça rentre dans mon PV. Momo, c'est ton vieux père. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'en pense. Voilà, j'en pense. Comme vous. J'en pense. Même chose comme vous. Voilà. On va commencer sur le cas. Avant de rentrer même dans le sujet même, à faire des demandes, il a demandé pardon à tout le monde, tout le monde. Je vais vous dire une chose d'abord. À la base, dès le début où Ali Lecour est venu dire que non, Ano Jaguar a volé 5 millions. La base de la division même de la Chine, là, ça a commencé dès là-bas. Voilà. Vous savez, dans l'histoire de Yoro Gang, là, c'est. Mais c'est Ropero qui est autour de lui, là. Chacun avait ses fans. Voilà. Chacun avait ses vieux morts. Chacun, parmi les vieux morts, parmi les amis d'Arafat, là. Chacun avait ses vieux morts là-bas. Chacun avait sa préférence. Voilà. Donc, après la mort d'Arafat, chaque vieux mort, ils avaient les bons petits à leur côté. Voilà. Donc, moi, Ano Jaguar, c'était mon vieux mort. Voilà, et puis j'ai toujours aimé son travail parce que c'est le dernier manager que Arafat nous a présenté. Voilà. Il y a d'autres gars qui ont préféré suivre. Lali Lecour, c'est qui? Oui, je viens. Je Tu vas viens, en je viens. direct? Ouais, je viens. Tu veux prendre ton truc là? Non. J'arrive, j'arrive, j'arrive. On doit parler là. J'arrive, là, ils sont en direct là. Ouais, vas-y, mais je Bon, t'écoute. finis, finis. Ouais, Va. je Je t'écoute. viens. Ouais, j'arrive. Ouais. J'arrive. Chacun de nous. Parmi tous les fans, de ton préféré prendre le cas de ses amis. Hey, t'as des amis, hein? Oh, t'es qui? Tu fermes ta bouche là. Oh, ne fais pas me distraire là. Vas-y, vas-y, je viens d'arriver. C'est urgent. Ok, j'arrive, j'arrive. J'ai fini rapidement. Ouais, c'est ma petite soeur chérie, ma jumelle. Ouais. Ouvrez le truc. Voilà. T'as voulu me déconcentrer, toi. Tu vois, non? Voilà. Parmi ses amis là. Voilà. Nous les bons petits que nous étions, chacun a pris les vieux morts là, parce que le président est décédé, chacun s'est dispersé. D'autres sont pro Ali Lecour, d'autres sont pro Ivan Trésor, d'autres sont pro Olo Kpacha, d'autres sont pro parti là-bas. Voilà. Moi c'est pro famille Arafat. Voilà. Ano Jaguar c'est le seul nous on l'a suivi. Et puis je suis derrière Ano Jaguar, je les soutiens. Voilà. Donc là, aujourd'hui, certaines personnes viennent, on dit non, Ano Jaguar a trahi. Ano Jaguar a trahi. Ano Jaguar fait ceci. Ano Jaguar fait cela. Mais vous-même là, vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà. Vous-même qui venez dire qu'Ano Jaguar a trahi là. Moi là, il a fait son choix. Il a fait son choix. Moi, j'ai rien contre son choix. Voilà. Il est venu demander pardon. À Judas, moi, le pourquoi là? Parce que à la base, c'est un businessman. Voilà. À la base, Ano Jaguar, c'est un businessman. Quand il dit businessman, voilà, il est PDG d'une structure. Il est PDG d'une structure la structure de production Ano Jaguar IBS Multiservice. Quand on dit Ano Jaguar IBS Multiservice, il produit plusieurs artistes et il fait plusieurs choses. Voilà. À cause de nous, la Chine, là, il s'est mis en guerre avec plusieurs personnes. À cause de la cause de la Chine populaire.
Il s'est mis en guerre avec plusieurs personnes. Mais nous, les Chinois, là, qu'est-ce que nous avons donné comme récompense à nos jaguars? C'est les injures à cause de qui? À cause d'Ali le Côte. C'est les injures à cause de qui? À cause de certaines personnes de la Yoro Gang. Mais malgré ça, le monsieur, à cause de nous, la Chine, à nos jaguars est venu pleurer devant les écrans ici. Voilà, nous-mêmes, la Chine, là, on a traité à nos jaguars de tous les noms. Même quand elle fait les posts sur Facebook, c'est nous, les Chinois, on s'élève. Oh, volet là! Oh, volet là! J'étais le seul à venir le défendre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter que non, quelqu'un vient le salir. Vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi. Tout le monde vient le salir. J'étais le seul à venir défendre à nos jaguars. Ce n'est pas parce qu'il me payait, ce n'est pas parce qu'il me faisait quelque chose. Voilà, mais c'est parce que je savais, je connais la vérité de tout ce qui s'est passé depuis le funéraire jusqu'à l'enterrement, jusqu'à aujourd'hui. Je sais qui était vrai dans l'affaire là, qui est vrai. Voilà. À nos jaguars aujourd'hui là, vous ne savez pas qu'il fait plus partie de la Yoro Gang il y a longtemps? C'est vrai qu'un baisse est direct là, il appelle la Chine. Il appelle la Chine. Parce qu'aujourd'hui là, à 95% des fanatiques en Côte d'Ivoire là, c'est la Chine. Si la Chine ne te soutient pas dans quelque chose là, ton truc ça prend pas. Voilà, comme il est resté le dernier manager d'Arafat. Et puis sur sa page Facebook là, la majorité des abonnés qui sont là-bas là, c'est les Chinois. Voilà pourquoi quand il vient faire ses directs, il dit la Chine, la Chine. C'est vrai, il dit la Chine, tu n'es pas obligé d'écouter ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé de soutenir ce qu'il fait. Tu n'es pas obligé de faire ce qui, de le soutenir. Ou bien, il a quelque chose de 200 000 et quelques abonnés sur sa page Facebook. Parler de ces artistes qu'il produit là, combien de personnes viennent le soutenir? Personne. Quand il vient parler de ces artistes qui dans sa structure, combien de Chinois vient le soutenir? Personne. Voilà. Combien de personnes viennent le soutenir? Personne. Mais quand il vient insulter les mollahs, moi je parle là. C'est pas parce que je soutiens Judas. C'est pas parce que moi je pardonne à Judas. Hein. Moi je pardonne pas à Judas. Il vient vous éclaircir d'abord et puis rentrer dans le sujet, mais puis on va partir. Voilà. Il est en train de déjà d'abord les frontières pour que tout le monde comprenne et puis on va rentrer maintenant dans le sujet bien bien d'abord. Voilà. Quand il vient insulter les mollahs là, vous venez l'applaudir. Ou bien, quand il vient insulter Judas, vous venez l'applaudir. Ou bien, quand il est en guerre avec tout le monde là, vous venez l'applaudir. Même les mêmes gars de la Yorogan qui fait parler pour eux là, vous les mêmes gars de la Yorogan là, vous venez pas l'insulter. Vous les mêmes gars de la Yorogan là, vous venez pas l'insulter. Vous parlez de trahison. À nos jaguars, il a fait son choix. Moi, j'ai causé, depuis qu'il a fait son direct, j'ai causé jusqu'à... C'est parce qu'il n'y avait pas de temps pour faire vidéo. Aujourd'hui, vendredi, je sais que demain, il ne sait pas. Voilà pourquoi il fait vidéo. Voilà. Ceux qui ont trahi en premier, là, vous avez oublié. Vous avez oublié. Quand hier, on voulait faire le mois de 12, le 12 août en Paris, ici, là, qui s'est rallié au manager de Judas en France, ici, premier. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ouais. Qui s'est rallié au manager de Judas en France ici? Qui s'est rallié au clan de Judas pour organiser les trucs en France ici? Il faut qu'on en parle aussi. J'étais le seul à venir parler de ça. Parce que Manu TGV a boycotté Arafat en France ici. On n'était pas d'accord de ça. Mais là, les mêmes Ali le Code et puis certains Chinois là, ils ont soutenu ça parce que quoi? Parce qu'on vendait Air Fat. Ouais. On vendait Air Fat. Vous avez soutenu ça. Et là, au fait là, faut pas que dans ce truc qu'on est en train de faire, deux poids, deux mesures. On ne doit pas faire du deux poids, deux mesures. Soyons réalistes, soyons justes et apprenons à voir la vérité en face. Voilà. Qui a trahi d'abord le premier? C'est ça, il faut qu'on en parle. Qui a trahi le premier? Mais ceux qui ont trahi le premier, là, ils sont en France ici. Ceux qui ont trahi le premier sont en France ici. Ou bien, voilà. Ceux qui ont trahi le premier, là, ils sont couchés en France ici. Ils se sont associés au manager de Judas. Ceux qui boycottaient Arafat en France ici là, ils se sont associés à eux pour aller organiser l'an d'Arafat dans les bars. Et puis ils ont vendu t-shirt Air Fat. Ils ont vendu t-shirt Air Fat. L'argent est rentré où? On en parle de ça. Mais si c'était Arnaud Jaguar qui avait vendu Air Fat là, vous allez venir dire ici que non, Arnaud Jaguar tu as mis l'argent au voleur. Mais est-ce que vous avez pris le courage d'aller demander à Ali le Côte où il a mis l'argent d'Air Fat? Non. Parce que lui il est trop sain, c'est ça non? Parce que lui, il est saint. Si je comprends bien, les Ali le Code, les trucs, le reste, ils sont saints. Mais une fois que c'est Arnaud Jaguar là, lui n'est pas bon. Ou bien, lui n'est pas bon. Qui s'est associé au Judas hier
pour faire l'an d'Arafat en France, c'est qui a commencé le premier? Vous avez pas, est-ce qu'on en parlait de ça? Non? Ou bien? Ils sont venus faire une vidéo le dénigrer. Jusqu'à ils l'ont surnommé Kotoyo. Ils sont venus le dénigrer. Vous l'avez défendu? C'est moi seul, je l'ai défendu. Vous l'avez défendu? C'est moi, Momo. Je l'ai défendu parce que je sais qu'il est dans la vérité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, lui fait une vidéo, il demande pardon à Mola, il demande pardon à Judas, il demande pardon à sa acteur culturel du showbiz ivoirien. Vous êtes étonné pourquoi? Ça ne doit pas vous étonner. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné. Moi, je ne vais jamais pardonner à Judas. C'est son affaire à lui. C'est son problème à lui. Moi, je peux pardonner à Judas. Mais ce n'est pas parce que moi, lui l'a pardonné à Judas que moi, je vais pardonner à Judas. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais là, soyons réalistes. Après ça, évidemment, il m'a appelé, il m'a expliqué par A plus B. Pour les personnes que moi, je me bats. Mais les personnes, même, passent leur temps à m'insulter. Mais j'ai fait le problème là, pourquoi? J'ai fait le problème pourquoi? On s'explique? Pour quelqu'un, je me bats. Et puis là, les gars que je me bats pour eux là, ils passent le temps à venir m'insulter sur ma page Facebook. Ils passent le temps à aller m'insulter sur les autres pages Facebook, me traiter de voleur, me traiter de grosse tête, me traiter de vilain, me traiter. Attendez. Donc lui n'a qu'à rester dans ça. Donc lui il nourrit pas sa. Lui, sa famille ne mange pas quoi. Lui, ses enfants là, ils vont pas à l'école quoi. Lui, sa famille là, ils vont rester en train de vous suivre. Pourtant, quand on vous dit quand Arnaud Jaga vient vous dire, ah, on vend telle chose, vous allez dire c'est un voleur. Si Arnaud Jaga dit, je vends telle tournée au nom de la Yerogang, Gang, il y a tel sponsor, il y a tel sponsor, vous allez venir dire que c'est un voleur. Donc, lui n'a qu'à rester dans ça, quoi. Il n'a qu'à rester dans ça, quoi. Non, soyons justes. Lui n'a qu'à rester dans ça, quoi. Lui, il vous suit, il vous soutient, mais vous ne le soutenez pas. À quoi ça sert? Arnaud Jaga vous soutient, jour et nuit. Il s'est créé des ennemis à cause d'Arafat, à cause de nous, la Chine. Mais nous, la Chine, là. En retour, on donne quoi à nos jaguars? En retour, on donne quoi à nos jaguars? C'est les injures? C'est les dénigrements? C'est les dénigrements? Arrivé un moment là, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, la mémé d'Arafat veut nous tous nous voir réconciliés. Voilà. Lui, il a pardonné à Judas. Il a pardonné à Moula. Ça, c'est pour lui là-bas. Moi, je ne suis pas concerné. Mais là, je vois d'autres personnes là dans mon PV. Momo, comme c'est ton vieux mot, qu'est-ce que tu en penses? Momo, ouais, c'est que ton vieux mot a fait. Hé! Hey! Arnaud Jaguar, c'est un businessman. Voilà. C'est un businessman. Il peut pas rester en guerre avec des personnes pendant que lui, il est aujourd'hui, lui, le producteur de plusieurs artistes. Vous avez demandé où est passé Zekwen? Vous avez demandé où est passé Abomey? Vous êtes une fois demandé où sont passés les artistes de la Yerogan qui étaient avec Arafat. Vous êtes une fois demandé où sont rentrés. Qui parle d'eux? Après la mort d'Arafat, qui parle d'eux? Et puis, à votre avis, là, qui peut parler d'eux actuellement? Les soi-disant amis, là. Les soi-disant amis, là. Les soi-disant amis, là. Ils font quoi pour les artistes qui étaient dans la Yerogan depuis Arafat est mort? Rien. Joe, ouvrons les yeux. Hein. Il ne faudrait pas qu'on prenne seulement, on l'appuie d'une personne. Non. Ouvrons les yeux et voyons ce qui est juste. Vous avez insulté Arnaud Jaguar à cause d'Ali le Coach, à cause de Ivan Trésor, à cause de Laolo Pacha. C'est que vous ne savez pas là. C'est que vous ne savez pas là. Ali le Coach, Ivan Trésor là. Hein? Le boss même de la maison de distribution d'Arnaud Jaguar là. Ils sont allés voir le monsieur. Ils veulent que le monsieur n'ait qu'à les produits. Est-ce que vous êtes informé de ça? Est-ce que vous êtes étonné de ça? Est-ce que vous êtes informé de ça? Ali Leko vous a dit ça? Le boss de IBS Multiservice là, le boss il est en France ici. Ils sont allés voir le monsieur. Pourquoi le monsieur a dit ça? Informé de ça? Vous êtes informé de ça? Vous dit ça? Ils vont jamais vous dire ça. Mais quand ils vont venir, quand on va les projeter maintenant, ils vont venir, la Yerogang, la Yerogang. Pourtant, ils sont dans le faux. Maintenant, quand on dit IBS me dit service, le boss qui est derrière là, il est en France ici. Ou bien, Arnaud Jaguar gère. Mais là,
Avant qu'eux rentrent, avant qu'eux rentrent dans la structure là. Donc ils n'ont qu'à rester en guerre avec Ali le coach. Ils n'ont qu'à rester en guerre avec Ivan Trésor. Ils n'ont qu'à rester en guerre eux. C'est pour casser la maison. C'est pour casser la maison. Donc là, le choix qu'il a nos Jaguars à faire, ça c'est pour lui. Moi c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit moi je suis chinois. Voilà, moi tu es mon vieux moro. Tu soutiens ton Judas. Oh, tu as pardonné à Judas. Mais moi personnellement, je suis carré dans ma tête. Je ne peux jamais pardonner à Judas parce qu'il a trahi nos présidents. Mais toi tu es un manager. Tu vis de ton travail. C'est ce qui te donne à manger. C'est ce qui te permet à joindre les deux bouts. Parce que vous tous, vous êtes dans le showbiz. Moi, je ne chante pas. Moi, mon rôle, là, c'est de venir me les pendules à l'heure. Donc là, pardonnez-vous là-bas. Pardonnez-vous. Mais, alors, je vois ce qu'elle te dit. Mais, demain, là, il faut faire très attention où tu es en train de mettre tes pieds. Parce que là, pour pas demain, quelque chose va arriver. Et puis, on me dit non. Momo, si tu te vois dans le malheur, là, je serai obligé de venir parler. Tout ce que moi, je peux te donner comme conseil, là, il faut faire très attention. Faire très attention. Voilà. En gros, il vous dit une chose. Ne pense, il y a certaines personnes qui sont en train de dire non. Ano Jaraba manager Judas. Ano Jaraba manager Judas. Non. Ano Jaraba, plein d'artistes, ils doivent sortir un peu. Ils sont en train de finir la production. Tiswena, il est en studio en France ici. Il doit sortir bientôt. On va conquérir le monde. Tiswena, il est prêt que Judas. Voilà. Mais là, pour que ces artistes prennent Abidjan. Il faut prendre la paix. Ou bien. Bon, lui-même a dit dans son direct, si demain, lui, ses artistes sont en concert, hein, et puis il doit prendre barrière. Si son vieux Moran Mola peut lui donner des barrières. Mais il va dire à vieux Moran, il a besoin de tes barrières. Son vieux Moran va les donner. Donc il n'a qu'à rester en guerre avec les gens là pour vous faire plaisir. Pourtant, vous, en retour, vous venez le diminuer sur les réseaux sociaux. Vous venez l'insulter. Vous l'apportez quoi? Vous qui venez juger à nos Jaguars, on l'apporte quoi? C'est like, j'aime, commentaire, partager vidéo. On l'apporte quoi? Nous, on l'apporte quoi? Nous, la Chine, c'est nous, on se plaint toujours, on n'est jamais satisfait. C'est lui, toujours, on voit en faux. Mais n'oubliez pas, les vrais traîtres là, les vrais faux là, ils sont couchés en France ici. Voilà, ils ont venu FAT là. Vous avez demandé les comptes de FAT? Vous les avez demandé où l'argent de FAT est rentré? Arrivé un moment, il faut qu'on arrête, les gars. Mais si c'était Ano Jaguar qui vendait FAT là, vous allez l'insulter matin, midi, soir. Ou bien, vous allez l'insulter matin, midi, soir. Joe, le gars, il fait son business. Il produit des artistes. Hein? Bientôt, vous ne savez pas. Peut-être Zekwen, Abobé, tous les poulains d'Arafat seront dans la IBS Multiservice. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, il n'est pas resté en guerre. Arafat était en guerre là, mais lui-même là, il était une étoile. Voilà, Arafat était déjà arrivé et puis il faisait ses guerres. Tu le boycottes ou tu le boycottes pas, oh, ils vont l'inviter, il va manger. Ano Jaguar n'est pas artiste. Ano Jaguar n'est pas artiste. Il est tout simplement un manager. Un manager là, tu t'as fait la paix autour de toi pour avoir des gombos. Ano Jaguar était un manager de Judas. C'est à cause de Judas. Alors j'aurais pas été en prison. À cause de Judas. C'est pas parce qu'il a volé Arafat. Il n'a pas volé Arafat. Il a pris le logo de la Yero Gang pour aller faire une tournée avec. C'est ce qu'il n'a pas plu à Arafat. C'est pas parce qu'il a volé Arafat. Hein. Faut pas. Il y a des plaignants, venez vous mentir là. Les gens qui viennent faire plaire aux gens dans les injures. Voilà. Je tiens à remercier mon frère 100% Benabe. Il a vu ta vidéo. C'est bien. Moi j'aime les critiques, mais sans manquer de respect, sans insulter, sans dénigrer. Quand je vois moi ici dedans. Voilà, tu as donné ton point de vue, tu as vu moi partager ta vidéo. Moi, il n'y a rien contre toi, frère. Moi, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui, il n'y a rien contre toi. Voilà, tu as critiqué, tu as donné ton point de vue, tranquille. Moi aussi, j'ai donné mon point de vue. Là, on va comprendre, on va peser le pour et le contre. Voilà. Donc là, ce que je veux que vous retenez là, Ano Jaguar là, il fait ça pour que ces artistes puissent vivre. Voilà. Malgré l'emploi, Mola là. Mais Mola l'a montré que non, lui, il est le grand frère. Mola a nominé ses artistes dans Primude. Est-ce que vous savez ça? Mola a nominé les artistes de la structure d'Ano Jaguar dans Primude. Mais ça doit lui-même le tourner la tête 10 fois. J'insulte quelqu'un pour des personnes. Les personnes même ne me soutiennent pas. Ils passent leur temps à m'insulter.
Hein? Et même, ils ont dit, je ne suis plus dans la Yerogang. Ils m'ont donné un nouveau nom, Kotoyo. Comme ma tête en piste d'atterrissage. Comme ma tête est longue. Je suis vilain. Je suis détruit. Malgré tout ça, Mola a nominé ses artistes dans Primus. Ils vont faire tout dernièrement là. Joe, lui n'est pas resté en parlable avec des gens pour vous faire plaisir. Pourtant, vous-même là, vous ne faites rien pour lui-même lui faire plaisir. Joe, on va où? Où va le monde? Où va le monde? Il a pardonné à Judas. Moi, il n'a pas pardonné à Judas. Est-ce que toi, il t'a obligé de pardonner à Judas? Il t'a pas obligé? C'est son choix. C'est son choix. Est-ce qu'il a attrapé le bras d'un chinois pour dire « Allons derrière Judas ». Il t'a pas obligé. Il t'a pas obligé. Joe, moi, je viens de faire mon direct là. J'ai pas obligé quelqu'un à suivre à nos jaguars. Moi, je viens de le défendre. J'ai pas dit à quelqu'un « Faut suivre Judas. Faut suivre à nos jaguars. » Moi, il lave son image. Moi, je suis pas fan d'Anno Jaguar. Je suis fan d'Arafat. C'est mon vieux mort. Il est venu. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Vous voyez dans cette directe, il ne sait pas trop parler. Quand il parle, il pleure. Voilà. Donc là, après d'Anno Jaguar hein, et Judas, là, ça c'est entre eux là-bas. Nous, les Chinois, nos problèmes là, on va se concentrer sur nos problèmes. Nos problèmes là. Comment on va avoir le Dix d'or? Comment on va pérenniser les œuvres d'Arafat? Comment on va continuer le combat d'Arafat? Dans le respect, dans le bon sens, sans manquer de respect à quelqu'un. On vous parle de pérenniser, vous passez votre temps avec conneries, Conan, Judas. Judas fait ça, ça. Il y a quoi? On ne peut plus respirer? Il y a quoi? Ceux qui ont trahi premier là, ils sont couchés en France ici. Parce qu'ils se sont associés. Ils se sont associés aux ennemis d'Arafat pour organiser l'an 1 d'Arafat ici. Vous dites quoi? Venons en parler de ça. Judas a envoyé des wesh derrière nous pour nous frapper. Moi, ils m'ont raté, ils ont cassé la gueule de mon malade mental là. Mais lui n'a pas soutenu. Là, lui, le quoi dans les bêtises là? Il n'a pas soutenu dans les bêtises là? Vous n'avez parlé de ça? Donc, attends. Vous êtes fan des autres parce que eux ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais Anno Jaguar n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Vous faites quoi pour Anno même? Dites-moi, vous faites quoi même pour Anno même? Vous faites quoi pour lui? Ah non, là, il est artiste ou bien? Il est artiste? Il chante? Est-ce qu'il chante? Il chante pas, il est manager. Un manager là, il est obligé de collaborer avec tout le monde. C'est parce qu'Arafat l'a mis à faire des vidéos même, il a pris goût dans la vidéo. Sinon, normalement, un manager ne fait pas trop de vidéos. Mais il est obligé de venir se justifier à chaque fois envers vous. Chaque fois, il est obligé de venir se justifier envers vous. Mais arrivé un moment là, il doit comprendre ou bien? À chaque fois, c'est lui, on l'insulte. À chaque fois, c'est lui, on l'insulte. À cause des Chinois. Mais Chinois, même là, l'insulte. Joe, si c'est moi, il me cherche. Si c'est moi, là, il me cherche. Voilà. Moi, il ne le condamne pas. C'est son choix à lui. Parce que, pour moi, c'est un businessman. Il est obligé de faire cela pour faire vivre ses artistes. Vous streamez les sons de ses artistes. Ces artistes-là, ils sont si. Vous soutenez-le d'abord. Il est prêt pour moi. Vous le soutenez? Vous ne soutenez pas ces artistes? Vous ne soutenez pas? Hein? Le monsieur est en train de se débrouiller. Comment il va manger? Vous venez vous asseoir? Oh non, non, il a pardonné à Judas. Il est détruit. Vous qui détruisez les gens là-haut, vous-même là, vous êtes arrivé où-même? Vous êtes quoi à la musique ivoirienne? Rien. Rien. Donc là, arrivé un moment là, on n'a qu'à s'occuper de nos propres problèmes. Nous les Chinois, nos problèmes là, c'est comment on va avoir le Dix d'or. Voilà, c'est nos problèmes qui est là. Vous avez traité le monsieur, vous avez dit que non, il n'est plus de la Yerogang. Vous avez dit qu'il n'est plus de la Yerogang. Donc il n'est plus dans la Yerogang là, il n'a qu'à avaler le vent. Il n'a qu'à boire sable. Pourquoi il va travailler? Il n'a qu'à faire la guerre autour de lui à cause de vous. C'est pas vous-même qui l'insultez? Joe, laissez le monsieur faire sa vie. Laissez le monsieur faire sa vie. On va se concentrer sur nos problèmes. Moi là, c'est pas parce qu'il a pardonné à Judas que moi j'ai pardonné à Judas. Non. Moi je ne peux jamais pardonner à Judas. Mais en même temps là, je viens vous dire aussi là, lui aussi doit travailler pour vivre. Voilà. Demain vous travaillez pour vivre là. Lui doit travailler pour vivre. Il doit se nourrir.
Donc il n'a pas fait la guerre tous les gens qui sont à Abidjan, pendant que lui-même là, il produit des gens. Pendant que lui-même là, il aide des artistes. Joe, on veut pas au Mola là, et puis à Salfo là. Il maîtrise le game à Abidjan. Tu collabores pas, tu mousses pas. C'est parce que Yoro est arrivé à un modèle là. On ne pouvait pas le faire descendre. Vous pensez que Yoro dans ses débuts là, il était en parler avec tout le monde? Yoro dans ses débuts là, il était en parler avec tout le monde? Non, non, non. Hein. Il n'était pas en parler avec tout le monde. Hein. Il n'était pas en parler avec tout le monde. Voilà. C'est à cause de quelque chose, l'arabe là le fait quelque chose. Donc là, en parlant en trop de détails, tout ce que moi je vais vous faire comprendre là. Arnaud Jaguar a fait ça pour son business. Voilà. C'est pas parce qu'il serait manager de Judas. Judas a signé à Sony Music. Retenez ça. Vous les analphabètes de vidéomans à deux balles là. Les morts ratés, ceux qui ont raté leur vie en France là. Les morts ratés là. Pendant que vos camarades sont en train de travailler sur les chantiers, sont en train de racoler dans les coins, vous passez votre temps à faire les vidéos à deux balles matin, midi, soir là. Restez là et racontez vos vies. Mais ne soyez pas étonnés si on a réalisé à nos jeunes âges. Voilà. Parce que vous passez votre temps à faire vidéo. Nous, on passe notre temps à bro. Ne soyez pas étonnés quand on a déjà réalisé. Vous avez dit non. Lui, il a vendu son âme au diable. Le temps que tu as pris en train de faire vidéo, mentir aux gens là, c'est le temps que nous prenons pour aller travailler. Ou tu apprendras, tu as 150 ans et puis tu irais 2 minutes, tu as mouru. Voilà. Je vois des imbéciles là-bas qu'on a. C'est les bombes-ci, c'est les bombes-ça, c'est coin, coin, coin. Hé! Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Arnaud Jaguar, c'est son problème? Ou bien? Tu es fan d'Arnaud Jaguar ou bien? Est-ce qu'on est fan d'Arnaud Jaguar? On n'est pas fan d'Arnaud Jaguar. On est fan d'Arafat. On connaît Arnaud Jaguar où? On le connaît où? On le connaît pas. Il fait ce qu'il veut de sa vie? Ou bien? Donc là, ceux qu'on trahit là, ceux qu'on trahit là. Ceux qu'on trahit là, ceux qu'on trahit là, hein, ils sont en France ici, premiers. Parce que là, eux mangent avec le producteur, avec le manager de Judas en France ici. Ils vont dans bar de Manu TGV ici. Ils sont DJ là-bas, ils vont chanter là-bas. Venez, on va parler de ça. Venez, on va parler de ça. Amenez moi au Kumbani, les bêtises. Il y a quoi? Vous avez oublié pourquoi on est sur les réseaux sociaux, quoi. Vous avez oublié pourquoi on est ici. Donc, si vous avez oublié vos objectifs, moi, je n'ai pas oublié mon objectif. Hein. Actuellement, là, la boutique Ravna en promotion. Actuellement, là, la boutique Ravna en promotion. Allons faire la promo de la boutique Ravna. Allons partager les trucs de Kamel Sama, les trucs de son enfant. C'est ça qui c'est le plus important. Allons, on va streamer. Allons, on va encourager les Chinois à s'organiser. Voilà. Laissons, au lieu de perdre le temps, si à faire de Judas, là. Judas, il a déjà gagné sa vie. Il a signé dans une grosse maison de production qui est Sony. Il s'en fout d'Arnaud Jaguar. Voilà. Mais derrière Judas, là, il y a des grosses pointues qui collaborent déjà avec Arnaud Jaguar. Mais il ne peut pas collaborer avec des grosses pointues et puis en parler avec les poulets. Borisov Mainz. Voilà. À cause de vous, les Chinois, on arrive à parler avec tout le monde. Pendant que vous-même, les Chinois, vous nous manquez de respect. Et là. Ah non, Jaguar, tu as bien fait même. Voilà, parce que ces mêmes Chinois là, ils ne reconnaissent jamais les bienfaits. Ils ne reconnaissent jamais ce que tu fais. Voilà, moi, j'ai rien contre ça, mais moi, tu ne peux pas m'obliger à venir soutenir Judas. Ça, seulement, il faut oublier ça. Moi, je ne peux pas soutenir Judas. Vous êtes pardonné. Ça ne veut pas dire que non, tu es son manager. Ça ne veut pas dire que non, tu es avec lui. Mais on dit, on n'a qu'à prendre l'amour autour de nous. Cet amour, c'est entre vous là-bas. Mais nous, les Chinois, là, ne nous obligez pas à aimer Judas. Voilà. Judas, c'est son travail qui a jugé. La personne qui veut l'écouter, il va l'écouter. La personne qui veut le soutenir, il le soutient. Moi, personnellement, j'ai rien à foutre de Judas. Viens, Morano. J'ai respecté ton choix. Tu respectes aussi mon choix. Voilà. J'ai respecté ton choix. Tu as pardonné à Judas. Moi, j'ai compris le truc. Voilà. Parce qu'il a causé toi, tu m'as bien expliqué. Il a causé le boss IB, il m'a bien expliqué. Moi, je suis dans ma botte. Moi, je connais. Voilà. Donc là, la Chine, ce que je vous dis, on est fan d'Arafat, on n'est pas fan
dans nos jaguars. On n'est pas fan de... C'est ce qu'elle vous dit toujours. C'est maintenant que vous allez me donner raison. C'est ce qu'elle vous dit toujours. C'est maintenant que vous allez me comprendre. Voilà. On n'est pas fan dans nos jaguars. On n'est pas fan de quelqu'un. On est fan d'Arafat. C'est certaines personnes qui ont pensé que non, ils sont trop stars en fait d'Arafat là. C'est maintenant que vous allez comprendre. C'est maintenant que vous allez comprendre. Voilà. Donc là, ceux qu'on trahit en premier là, ceux qu'on trahit en premier là, ils sont couchés en France ici. Et mangent et. Ceux qu'on trahit premier là, et mangent et. Ils sont ici. Ils organisent les trucs au nom d'Arafat. Allez-y les demander où ils ont mis l'argent de FAT là. Vous savez pourquoi ils veulent faire la fondation? Il y a trop de vols derrière. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ça, c'est dans nos jaguars là. À tout bien en ennemi. Vous allez l'insulter partout. Dieu merci. Il y a dit, viens mourir en est pour toi dedans. Ne mets pas ta bouche dans faire les ventes de t-shirts. Il a compris. Donc là, ce que je peux vous dire, chacun est libre de faire son choix. Moi, perso, j'encourage pas quelqu'un à suivre nos jaguars dans ce qu'il est en train de faire, Judas. Voilà. Moi-même là, je ne le soutiens pas dans ça. Voilà. Ce sont des lits, il est dans son délit. Voilà. Mais en même temps là, comprenez aussi que non, il fait ça parce que nous-mêmes là, on l'a poussé à bout. Voilà. Ne parlez pas de vous-même. Nous-mêmes les Chinois là, on l'a poussé à bout parce qu'on vient l'insulter chaque jour. On vient le manquer de respect chaque jour. On vient le diminuer chaque jour. À cause de nous, il fait des palabres. Mais quand ces artistes sortent là, qui soutient ces artistes? Vous préférez aller regarder les vidéos de ceux qui insultent les gens, ceux qui dénigrent les gens, au lieu d'aller donner la force aux artistes qui n'ont à nos jaguars produits. Non. Ou bien, c'est ça, on dit soutien. Lui, il vient vers vos palabres. Mais là, dans son mouvement, là, allez les soutenir. Si vous les soutenez là, il va dire, ah, la Chine est derrière moi, la Chine même. Mais vous ne soutenez pas. Non, dans nos jaguars. Oh, l'homme, il est comme ça. C'est un voulet, sa grosse tête là. Dès que lui vient mentir sur nos jaguars, oh, l'homme, il est comme ça. Ali Loko avait raison. Oh, lui, il est comme ça. Attends. Lui n'est pas resté dans ça, quoi. Il n'est pas resté dans ça. Pendant que vous, là, vous le salissez, lui n'est pas resté dans ça. Joe, les gars. Ce que je suis, moi, il n'y a pas grand chose à vous dire. Ce que j'ai dans mon PV, là, je vous ai expliqué. Moi, je ne suis pas dans ce délit, Mais en même temps, là, comprenez aussi, là, il doit se nourrir, il doit manger. Voilà. Le jour où vous allez le soutenir, là, le jour où vous allez l'envoyer, où vous êtes parti, là, il va vous écouter. Vous ne soutenez pas le gars, vous le boycottez, vous l'insultez, vous-même, vous avez dit qu'il n'est pas de la Eurogang, et puis c'est vous qui vous plaignez. Quelqu'un qui n'est pas de la Eurogang, il fait ce qu'il veut. Ou bien, quelqu'un qui n'est pas de la Eurogang, il fait ce qu'il veut. Donc là, laisse-le dans ce délit. Si tu veux, tu ne le soutiens pas. Si tu veux, tu le laisses dans ce délit là-bas. Voilà. Chacun est libre de faire son. D'autres ont préféré suivre les voleurs d'Air Fat. D'autres ont préféré suivre le voleur de téléphone. D'autres ont préféré suivre plusieurs personnes. D'autres ont préféré être pro-vidoman. Il y a un gars qui fait vidéo, il pense qu'il est trop star. Laissez Yoro reposer en paix. On n'a qu'à faire les trucs qui sont justes pour pérenniser les œuvres d'Arafat. Et puis le reste, on s'en fout. Voilà. Le reste, on s'en fout. Tiens, on n'a qu'à prendre l'amour autour de nous. Tout le monde, c'est vous qui vous plaignez. Oh, moi, je ne sais pas pourquoi il y a bu café la nuit là-même. Vous êtes transpirés, quoi. C'est bien sûr. C'était ça. C'était mon point de vue. Vous avez voulu qu'il parle, non? Je ne voulais pas parler, mais vous avez voulu qu'il parle, non? Moi, j'ai parlé. Voilà. Ça n'est pas. En autre, j'aurais fait son mouvement. Ça n'est pas dit qu'il y a le soutien dedans. Voilà. Le jour. Ceux qui sont mis ensemble. Hein, le manager de Judas ici, là. Ceux qui ont boycotté Arafat ici, là. Vous ne l'avez pas insulté, hein? Lui, il est trop blanc. Il est trop blanc comme neige. C'est ça, non? Joe, on a qu'à apprendre à se respecter, hein? Apprenons à se respecter. Apprenons à se dire la vérité. Voilà, soyons réalistes.
Voilà. Ah non, Jaguar, c'est ton choix. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais respecte mon choix, je ne peux jamais soutenir Judas. Point pas. Voilà. Donc là, vous les Chinois, là. Vous les Chinois qui ont là, non, Judas. Désabonnez-vous de sa page. Désabonnez-vous de. Si vous n'aimez pas ce qu'il a fait là, désabonnez-vous de sa page. Et puis, point bas. Il y a quoi? C'est sa vie à lui. Désabonnez-vous de sa page. Voilà. Conan, il va être manager de Judas. Hein? Les artistes qui ont Jawa, ils sont tous en tas. Kirikou, il lui arrive. Elvis Inspiration. Poséidon. Tiss Wenman, c'est le futur boss du coupé décalé. On vous parle de ça, mais pas de Judas. Judas est fini. Judas, là, il est fini. Voilà. Judas, il est fini. Tranquille est son âme. Il demande pardon à tout le monde. Parce qu'il a fait parler des gens. Il a fait parler des gens. Des gens qui ne reconnaissent pas son travail. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vraiment, bon vent à toi. Tu n'es plus de la Yerogan. Bon vent à toi. Faut faire ce que tu veux de ta vie. Nous, les Chinois, on s'en fout de ça. Tu dis, là, faut aller te réconcilier avec qui tu veux. Nous, là, c'est nous, Arafat, qui on connaît. Le reste, on s'en fout. C'est Arafat, nous, on connaît. Faut faire ta vie là-bas. On s'en fout de ça. Ceux qui vont te critiquer, là, c'est les gars qui n'arrivent pas à manger en France ici. Ils n'arrivent pas à manger. Le jour où vous allez dire la vérité à Ali, le coach, à Ivan Trésor, là, moi, je vous respecte. Moi, j'ai dit la vérité à nos jaguars. Ils se marquent sur mon vieux moro. Voilà. Le jour où vous allez prendre le courage pour dire la vérité aux Ali, le coach, qui ont volé l'argent de Infat, qui n'est pas venu faire compte de Infat, là. Là, on va causer. Vous faites du suivisme moutonnier. Moi, je suis Arafat seul comme mouton. Le reste, là, je ne connais pas. Vous avez compris? Voilà. Les gens ont vendu Infat ici. Ils n'ont pas fait compte. Voilà la boutique Grand Fnac qui est déjà là-bas. Là. Il n'y a même pas quelqu'un qui partage sa page Facebook. Si ce n'est pas moi et Sali. Hein, Santos Boer. Hein? Personne ne partage. Même ses amis, là, personne. Les soi-disant vidomones à deux balles. Les affamés de France, les morts sales, sales, là. Ils ne partagent pas ça. Mais c'est venu critiquer les gens, ils sont premiers. Joe. Yeah. Moi, où est celui-là? Où est celui-là? Où est celui-là? Moi, où est celui-là? Moi, je vois devant. Moi, je ne suis plus dans votre truc à débattre, comparaison. Là, moi, je ne suis plus dedans. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est Arafat qui les connaît. Le reste, là, c'est mon cul qui les voit. Vous avez compris? Voilà. Je défends la cause d'Arafat. Le reste, il m'en fout. Voilà. Il n'a pas fait parler de quelqu'un qui ne reconnaît pas mon travail. Vous insistez toujours à nos jaguars. Mais il dit, il est allé demander pardon. Là. Ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Vous avez dit, il n'est plus de la Yerogang, non? Ça vous fait mal pourquoi? Même Ali le coach qui a manqué de respect là, il a demandé pardon à Ali le coach. Venez parler de ça. Mola même quand vous dites que non, pour que les gens parlent à Mola là, les mêmes gars là, quand Mola vient, c'est un coup de Mola. Ali le coach, Ivan Trésor, et tous, même le morveux là, il coup de Mola ici. Même le morveux là, il coup de Mola ici. Mola vient de donner trophée de primus d'ici. On aura parlé de ça. Ils ont tiré photo et les Safarel. Ils ont tiré photo et tous les ennemis d'Arafat. Sous prétexte que non, ils voulaient réconcilier Arafat. Vous avez parlé de ça? Joe, arrêtez de faire chier les gens. Hein. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Chacun n'est qu'à suivre ses trucs. Voilà. Moi, Arnaud Jaguar, ton moment, tu es dedans. C'est pour toi. Moi, je ne vais pas aller te soutenir dans ça. Voilà. Mais tu restes mon vieux moro. Voilà. Tu restes mon vieux moro. Pian, la personne qui n'est pas content, allez vous désabonner de sa page. Moi, je ne le soutiens pas dans ça. Le jour où vous avez la publication de Judas sur ma page, c'est que je le soutiens. Tant qu'il n'y a pas de publication de Judas là, je ne le soutiens pas. Voilà. Donc là, sur ce, bon week-end à tout le monde. Au revoir.